Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, comment va la vie? Je suis ravi de vous retrouver dans la région lilloise pour le moment, pour une occasion assez spéciale. Non pas parce qu'un pigeon a chié sur le pare-brise de ma voiture et qu'on va manger ses frères et sœurs simplement en guise de vengeance et pour pouvoir avoir des protéines au sein de notre repas, absolument pas. Nous nous dirigeons à Paris pour aller rencontrer Madame Justine Hutto en guise de cadeau d'anniversaire et de façon à vous faire une surprise. Je vous en reparle en fin de vidéo. Allez, je laisse le iPhone parce que là, je suis un peu à la bourre. Da-da-da-dam-da-dam. Faisons quand même les choses de façon légale. Allez, on y va maintenant. Je suis beaucoup trop fan de ces nouvelles chaussures. Nous sommes toujours à Lille, en gare Lille-Europe plus précisément. Et grâce à mes bruitages, nous allons voyager jusqu'à Paris. J'espère que vous êtes prêts. Au cas où vous vous inquiétez, nous sommes bien arrivés en région parisienne. Quelques personnes autour qui se demandent probablement ce que je suis en train de foutre avec l'iPhone, mais c'est pas grave. On continue notre road trip pour arriver à l'objectif. Avant ça, petite pause technique, je vous emmène avec moi. Oh zut, je pourrais pas vous montrer. Ça me rappelle l'époque pendant laquelle je faisais mes études à Paris. J'ai passé 6 mois ici. Dans le 13e plus exactement. C'était une chouette période, même si je suis parti assez rapidement de l'école parce que ça ne me correspondait pas. Mais c'est pas grave. Maintenant, nous allons dans le 10e arrondissement. Je ne sais pas y aller, j'ai une application, si jamais vous la connaissez pas, City Mapper, je vous le donne en mille, qui est absolument formidable pour donner des itinéraires. Alors le Flixbus m'a déposé juste là à Paris-Bercy. Pour les personnes qui connaissent pas, l'Accor Hotel Arena désormais. On a des bâtiments, je sais pas ce que c'est, voilà, on est à Paris. Oh, je suis perdu. Alors que certains ont décidé de monter dans leur chambre d'une façon un peu spécifique, ou de sauter du toit de l'immeuble, c'est selon les points de vue. Alors, du coup, je viens de regarder dans l'application, je vais éviter de tomber, ça serait dommage. Quoique pour certains, ça les arrangerait. On a environ 25 minutes pour y aller, et je vais tâcher de me mettre dans la légalité aussi. Ça marche ou ça marche pas en fait? Alors, 14, 17. Hop là, c'est magique. On cherche la ligne 14 pour la mairie de Saint-Ouen. On est bon. Je savais pas que la RATP cuisait des poulets rôtis dans le métro. Fallait me le dire plus tôt. À cette station, descendre à gauche. Ushita, ainsi bouffa. Bonjour monsieur. Vous savez m'indiquer où on trouve la ligne D, s'il vous plaît? Du RER. Ah, c'est possible que ce soit le... Oui. C'est pas un bus? C'est pas un bus, c'est le RER. D'accord. Donc faut reprendre la station du coup? Ouais, c'est pour aller où? C'est pour aller dans le 10ème. On est bon pour reprendre le métro, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Eh ben, c'est pas gagné mes petits potes. On n'est pas arrivé, hein. Bon, maintenant la vraie question, c'est de savoir si c'est le bon métro. Ligne D. Nous, on est là, gare de Lyon, et on va à Gare du Nord. Voilà, yes. Bon, qui est l'énorme gland qui s'est trompé de voie dans le métro? Bonjour, ravi de vous connaître. À la voie numéro 3, il s'agit du prochain départ pour Melun également en train de Zico. Le petit génie en herbe que je suis a réussi à se gourer de RER. Et donc là, on a changé, cette fois-ci, on est sur le bon. C'est quand même compliqué, pareil. Hein. Honnêtement, moi, petit Lillois depuis 13 ans, deux lignes de tram, c'est bien, c'est très bien. Oh purée, 13 minutes d'attente. Eh ben, je peux vous dire qu'on va pas perdre notre temps. Validé. On va le faire, ça va le faire. Particulièrement des gens qui en ont rien à foutre qu'on sorte du métro. Voilà. Alors, étape 1, réussi. Bienvenue, Gare du Nord. Maintenant, deuxième objectif, trouver la maison Respire et trouver une sortie déjà. On est en train de parvenir à notre objectif. Doucement, mais sûrement. C'est comme ça qu'on aime. Titre. Welcome in Paris. Il nous reste précisément 3 minutes à pied. Et ensuite, nous y serons. Je commence à être un peu stressé. Et ça va être cool. Ça va être un bon moment. Ça va être un bon moment. Rue de Valenciennes, 10e arrondissement. Ah, regardez où on est. Allez, on va rentrer.
C'est sur ces images du restaurant avec mon beau-frère pour fêter mon anniversaire des 23 ans que je vous laisse. Je suis super content de vous avoir partagé cette vidéo. Je suis extrêmement ravi. J'ai passé des moments incroyables. Ça a été deux journées fortes en émotion parce que là, retour à Lille. Et comme promis en début de vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. Il se trouve que j'avais commandé avant d'aller à la dédicace un livre de Justine. J'avais commandé son livre en l'occurrence. Et donc j'en ai un en trop. Donc je vous le fais gagner sur mon compte Instagram. Je vous laisse mon profil Instagram ici. Je vous invite à aller découvrir ça. Je vous le fais gagner. On va limiter peut-être ça, je pense, à la France métropolitaine pour pas que ça aille trop loin. Mais en tout cas, voilà. Ça me fait plaisir de vous l'offrir. Et d'en faire bénéficier l'un ou l'une d'entre vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Bye bye.